En 2015 paraît la première méta-analyse de l'effet Flynn. L'effet Flynn est l'amélioration à chaque génération des performances sur les tests de QI qui a marqué le XXe siècle. Cette étude note que ces gains diminuent depuis quelques décennies en Occident et que certains pays semblent connaître une stagnation voire une régression. En 2017, une revue systématique de la littérature confirmait un inversement de l'effet Flynn dans 7 pays européens. La Norvège, le Danemark, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Finlande, la France et l'Estonie. La même année sortait Cocktail Toxique, un ouvrage de Barbara Demene, biologiste au CNRS, dans lequel elle prétendait que la baisse du QI était due à des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des polluants de toutes sortes que l'on retrouve dans notre vie quotidienne. Cet ouvrage a donné lieu à un reportage diffusé sur Arte en 2017, « Demain, tous crétins ». Le travail de Barbara Demene connaît un biais important, c'est son approche environnementaliste. C'est-à-dire qu'elle ne prend en compte que les effets de l'environnement dans la baisse du QI et occulte totalement de potentiels aspects génétiques. Sans surprise, les articles qui sont publiés dans les magazines et les journaux français sont du même tonneau. Une première raison de douter du sérieux de cette position environnementaliste est l'avis même des chercheurs en intelligence. Les résultats d'un sondage réalisé auprès de ces experts ont été publiés en 2016 dans une revue scientifique. Les deux premières causes données au déclin du QI étaient la fertilité dysgénique ainsi que l'immigration. Par fertilité dysgénique, il faut comprendre une chose très simple. Les individus les plus intelligents font moins d'enfants, et ainsi les gènes de l'intelligence se raréfient à chaque génération. Avoir des enfants, c'est une décision importante, on en est conscient. On n'est pas tout à fait prêt. Il faut prendre son temps pour ces choses, vous comprenez? Je suis d'accord avec elle. La baisse de l'intelligence n'est pas une préoccupation récente. En 1857, un Français, Bénédicte Morel, publiait un traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine. Morel notait que les progrès de l'hygiène et l'amélioration de la qualité de la vie avaient drastiquement réduit la mortalité infantile. Il concluait que les individus qui n'avaient pas les qualités physiques et morales pour survivre dans le monde pré-industriel pouvaient désormais atteindre l'âge adulte et se reproduire substantiellement. Morel notait également que les criminels, les prostituées et les très pauvres, qu'il appelait la classe dégénérée, avaient une fertilité particulièrement élevée. Et ces deux phénomènes mèneraient les Français dans un long déclin physique et intellectuel, la dégénérescence. En 1865, Francis Galton, polymathe extraordinaire, transformé par sa lecture de l'origine des espèces de son cousin Charles Darwin, écrivait dans Hérédité, talent et caractère une chose similaire. L'un des effets de la civilisation est la diminution de la vigueur avec laquelle s'applique la sélection naturelle. Elle préserve les faibles qui n'auraient pas survécu en des temps barbares. L'enfant malade d'une famille riche est plus susceptible de survivre et de se reproduire que la progéniture solide d'une famille miséreuse. En 1869, dans Le génie héréditaire, il était le premier à prédire une baisse de l'intelligence. Darwin partageait le pessimisme de son cousin Galton. Dans La filiation de l'homme, il estimait que la civilisation permettait la propagation des faibles et comparait la dégénérescence des espèces domestiquées à celle des hommes civilisés. Et Alfred Wallace rapportait en 1890 qu'à la fin de la vie de Darwin, le pessimisme ne l'avait pas quitté. Carl Pearson, mathématicien de renom et disciple de Galton, notait également que les plus capables étaient aussi les moins fertiles, et que par conséquent, le processus de détérioration était en cours. Ronald Fisher, grand statisticien et généticien, s'est précisément penché sur la question de l'intelligence en 1929, et a publié ses résultats dans la théorie génétique de la sélection naturelle. Il notait une corrélation négative entre statut social et fertilité. Et dans la mesure où la mobilité sociale aurait concentré au cours des siècles les gènes de l'intelligence dans les classes sociales supérieures, le déclin de la civilisation, selon lui, avait commencé. Alexis Carrel, médecin français et prix Nobel de médecine en 1912, écrivait dans L'Homme, cet inconnu, que la sélection naturelle n'avait pas joué son rôle depuis longtemps et que beaucoup d'individus inférieurs avaient été conservés grâce aux efforts de l'hygiène et de la médecine. Ces auteurs ont posé un double problème. Premièrement, celui de l'absence de sélection des traits socialement désirables dans les sociétés industrielles, comme l'intelligence, et deuxièmement, l'accumulation dans le génome de mutations délétères, qui touchent tant à la santé physique que mentale. Concentrons-nous d'abord sur le premier point. Les données modernes confirment l'existence d'une association négative entre intelligence et fertilité. Une revue systématique de la littérature, publiée en 2018, réalisée avec des données principalement occidentales, trouve une corrélation négative de 0,11 entre l'intelligence et le nombre d'enfants, avec un effet plus prononcé chez les femmes. L'étude note aussi un effet générationnel. Les individus les plus intelligents font des enfants plus tard et auront donc, à la fin du siècle, produit moins de générations. Autre point important de l'étude, la corrélation négative entre intelligence et fertilité s'accentue avec le temps.
Des critiques de l'hypothèse dysgénique font parfois valoir une étude récente qui montre qu'en Suède, il existe chez les hommes une corrélation positive entre fertilité et intelligence. Néanmoins, cela semble circonscrit à la Suède, et surtout, si les femmes sont prises en compte, la corrélation redevient négative. Et enfin, dans cette cohorte masculine, l'association entre fertilité et intelligence se fait en réalité sur les sous-parties des tests de QI les moins héritables, c'est-à-dire les moins influencés par la génétique. Bref, les individus les plus intelligents, en tendance, font moins d'enfants, et la corrélation s'accentue avec le temps. Une autre critique de l'hypothèse dysgénique consiste à dire que l'intelligence n'est pas génétique. C'est par ailleurs une critique que Barbara Demenet propose dans son dernier ouvrage, Cocktail toxique. Elle reproche à certains chercheurs d'avoir une position qui fleure un peu trop le déterminisme génétique. Or celui-ci aurait été définitivement ridiculisé par Camin, Rose et Lébontine dans un ouvrage de 1984, Pas dans nos gènes. Barbara Demenet n'explicite pas plus et pense que la référence fait autorité. Le problème est que cet ouvrage est loin de faire autorité, pour dire le moins. Les trois auteurs tiennent dans ce livre une position complètement périmée qui consiste à nier l'héritabilité des traits de comportement, notamment l'intelligence, et à dire que les tests de QI ne mesurent pas l'intelligence générale et celle-ci ne serait qu'une construction statistique. Cette critique est fantaisiste. Il est largement établi que les capacités cognitives, mesurées par les tests psychométriques, sont une très bonne mesure de ce qu'on appelle l'intelligence générale ou le facteur G, qui est tout à fait héritable. Began with Charles Spearman in England in 1904, where he said, intelligence just means too many different things to different people. I mean, what do you mean by intelligence, really? So he said, I'm going to define it precisely, G, general cognitive ability. And what that is what diverse tests of cognitive ability have in common. So you've got hundreds of tests of cognitive abilities, like different types of memory, different types of verbal, vocabulary fluency, spatial ability. There's many different types of cognitive tests, but they all correlate substantially, which is quite surprising to people. You know, if you're good in verbal, it means on average, you're probably pretty good in memory, pretty good in spatial. People say, oh no, I'm good at spatial, I'm not good at verbal, or vice versa. But they are pretty good. They just mean they're better at this than that. They correlate substantially, so that 40% of the variance, the individual differences of all those tests, are in common. And that's what we mean by G. So general cognitive ability is important because it's the best predictor of societally important things like educational outcome and occupational status, by far, than anything else we have. They're also among the most heritable tests. La dernière phrase est importante. G est très héritable. C'est-à-dire que les différences individuelles, en ce qui concerne G, sont très largement le fait des gènes. Michael Woodley, membre du comité éditorial du journal Intelligence, a écrit ceci. Près d'un siècle de recherche sur la génétique de l'intelligence ne laisse que peu de doutes sur le fait qu'à l'âge adulte, l'environnement familial n'explique rien des variations dans les résultats aux tests de QI, tandis que les facteurs génétiques en expliquent 70 à 85%. G a potentiellement une héritabilité encore plus haute, 86%, quand il est modélisé explicitement, et il atteint 91% si l'on corrige les erreurs de mesure. Et désormais, les données de génétique moléculaire, à l'aide d'études d'associations pangénomiques, trouvent toujours plus de variants génétiques de l'intelligence. On en trouve des milliers. Up until the last few years, we haven't been able to study DNA directly. We've had to use indirect methods like twin studies, comparing identical and non-identical twins, and adoption studies. We're now able to with new technology to be able to measure these, what we call polygenic scores that involve thousands of these DNA differences in order to predict psychological problems and promise from birth. Nature a récemment publié un article intéressant à ce sujet. Il montre que la stratification sociale en Grande-Bretagne est une stratification génétique. Les gènes de l'intelligence sont plus rares dans les régions les plus pauvres, c'est-à-dire les anciennes régions minières. La raison, probablement, est que les individus les plus doués ont pu migrer là où se trouvaient les meilleures opportunités économiques. Fischer semble donc avoir eu raison de dire que la mobilité sociale avait concentré au cours des siècles les gènes de l'intelligence dans les classes sociales supérieures. Mais pourquoi ces gens-là font-ils moins d'enfants? Le féminisme et l'éducation. Les années d'éducation et l'intelligence partagent 60% de leur variance génétique. Les 40% restants s'expliquent par d'autres traits de personnalité, comme la consciencieusité. Or, sans surprise, il existe une corrélation négative entre le temps passé à étudier et la fertilité. Et encore une fois, elle est plus prononcée chez les femmes.
En leur ouvrant de nombreuses professions, les plus brillantes se sont lancées dans de longues carrières, ce qui a souvent retardé, voire annulé leur projet parental. La contraception. C'était surtout le cas à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Des conseils de contraception sont par exemple donnés dans Les Fruits de la philosophie, un ouvrage paru en 1832 et vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en Angleterre et aux États-Unis. Évidemment, la diffusion principalement livresque des conseils de contraception limite leur portée aux classes lettrées. De manière générale, Lynn propose l'idée selon laquelle la contraception est plus systématiquement envisagée et maîtrisée par les classes sociales supérieures. Et des données américaines viennent confirmer cette intuition. Une étude de 1988 note que chez les femmes diplômées de l'université, 27% des naissances sont involontaires, alors que dans la population générale, 58% des naissances sont involontaires. Il y a aussi l'État-providence. Il incite les femmes célibataires à faire des enfants. Charles Murray et Richard Einstein, dans The Bell Curve, notaient que les femmes dépendantes sur le long terme de l'État-providence avaient en moyenne un quotient intellectuel de 92. Et dans un ouvrage de 2015, Adam Perkins explicitait le lien causal qui existait entre l'augmentation des allocations et l'augmentation de la fertilité. Parmi les plus éminents psychométriciens du XXe siècle, il y avait Raymond Cattell, qui publia en 1937 « Le combat pour notre intelligence nationale ». Dans cet ouvrage, il notait une corrélation positive entre classe sociale et intelligence, et une corrélation négative entre intelligence et fertilité. Selon lui, le QI devait baisser de 3 points par génération. En 1951, il conduisit une étude pour vérifier ses prédictions. Et à sa grande surprise, il se rendit compte que le QI avait augmenté d'1,3 points aux États-Unis. C'est le paradoxe de Cattell. L'intelligence est censée baisser, mais le QI augmente. Le psychométricien émit alors l'idée selon laquelle les progrès de l'éducation avaient masqué le déclin cognitif. Ce que Cattell avait découvert était l'effet Flynn, nommé ainsi par Einstein et Murray dans The Bell Curve et documenté par James Flynn dans les années 80. Les causes de l'effet Flynn ne sont pas toutes clairement établies, mais voici ce sur quoi semblent s'accorder les chercheurs. Les spécialistes de l'intelligence, et notamment de l'effet Flynn, pour expliquer l'augmentation du QI, mettent en avant la démocratisation de l'école, les progrès de l'éducation, l'amélioration de la santé, par exemple la réduction des maladies infantiles, et l'amélioration de la nutrition. Même si ces origines sont multiples, une chose est sûre, ce sont les changements induits par le monde industriel qui sont à la source de l'effet Flynn. Selon James Flynn, la cause la plus importante est notre changement dans notre façon de voir le monde. Les Occidentaux se sont mis à porter des lunettes scientifiques, c'est-à-dire à catégoriser le monde d'une manière qui nous était jusque-là étrangère. Le psychologue soviétique Alexandre Luria a bien documenté cette pensée pré-effet Flynn auprès des paysans du 19e siècle. « Quel est le rapport entre un chien et un lapin ?» leur demandait-il. Ceux-ci répondaient que le chien chassait le lapin, pas que les deux étaient des mammifères. Or, c'est la deuxième réponse qui rapporte le plus de points sur un test de QI, précisément sur le sous-test des similitudes, lequel est l'un des plus touchés par l'effet Flynn. C'est donc un développement de la pensée analytique et des capacités à catégoriser des objets abstraits qui est apparu avec l'effet Flynn. Ce n'est pas exactement d'une augmentation de l'intelligence qu'il s'agit, mais de l'apparition du développement de capacités cognitives très spécialisées, lesquelles donc ne sont pas au cœur de l'intelligence. Il est important d'insister là-dessus. Dans son ouvrage « Are we getting smarter ?», James Flynn met l'emphase sur cet aspect des choses. L'effet Flynn n'a pas porté de manière homogène sur toutes les dimensions des tests psychométriques. En réalité, il ne porte pas sur l'intelligence générale. Mais si les tests de QI sont de bonne mesure de l'intelligence générale, comment se fait-il que l'augmentation du QI ne l'ait pas concernée? La réponse est que les tests de QI mesurent bien l'intelligence générale au sein d'une cohorte, mais son utilité décroît si l'on compare des individus trop éloignés dans le temps. There are all sorts of stupid things that should be happening to people in history if the Flynn effect were a real increase in IQ, like the retardation paradox. And the heritability paradox. These, by the way, are terms coined by Jim Flynn. The retardation paradox is the idea that if we extrapolate back in time to 1900, right, and everybody's gaining 3 IQ points a decade, then people living in 1900 should have IQs of 70 relative to people today, right? And they should all be functionally, intellectually disabled, right, intellectually impaired. The heritability paradox.
Right? We know the heritability of IQ is very high, yet the rate at which IQ is gaining is way in excess of what you would expect based on this sort of degree of give, right? The degree of elasticity that would be allowed for within those heritability coefficients. Very small amounts of environmentality, so you really shouldn't be getting 3 IQ points gained a decade, right? That's just ridiculous. So you have all these paradoxes. Now we need something like dark matter to come along and fix it. So that's what the co-occurrence model is. The co-occurrence model is simply the observation that actually there's another factor at play here, and it's something we haven't been able to observe because of the nature of IQ tests, right? These IQ tests, they fail measurement invariance, they tend to measure specialized abilities and the growth of specialized abilities more and more and more in more recent cohorts, and this is what's leading to the IQs apparently going up and up and up. But we see these other things. Where are all the geniuses? According to Dean Keith Simonton, after Einstein, genius was extinct. According to Charles Murray, after 1800, geniuses started to decline to the point at which there were very, very few of them around by 1950. Based on Huebner's work, we know from macro innovations, which are the products and fruits of genius, they were 4 times, the Victorians in the 1870s had 4 times the rate of macro innovation to us. The last time we had macro innovation rates at the rates we currently have was for 16th or 17th centuries. So what's causing these trends to go down, right? What's causing genius to go extinct? What's causing innovation rates to collapse? And what's causing all these other sort of general dysfunctions and things? Well, the answer to that is there has to be a hidden variable. There has to be something happening. And that something is declining G, the so-called Woodley effect. Depuis 2013, le chercheur écossais a publié de nombreux articles et plusieurs monographies consacrées à la question. Plus qu'un faisceau d'indices, il a accumulé les preuves définitives du déclin de l'intelligence. Le temps de réaction. Parmi les plus grands chercheurs en intelligence, tels Jensen, Eysenck ou Deary, le temps de réaction simple a été considéré comme un proxy de l'intelligence générale. Grâce à Francis Galton, nous avons des données sur le temps de réaction qui remontent à la fin du 19e siècle. Or, une étude publiée en 2013 par Michael Woodley dans le journal Intelligence note une nette augmentation du temps de réaction. Nous traitons donc l'information plus lentement qu'autrefois. Et cela concerne tant le temps de réaction visuel qu'auditif. The thing that got most attention there was the Victorians were smarter than us, the reaction times. And he started. The golden oldie, yes. Yeah, 1880, wasn't it? Or 85. That was 1888.5, so 1889, because we took the mid-year of a range of years over which Galton was collecting reaction time data. But that was a very simple paper, and I made many errors in the original version of that paper. So, mea culpa statement, the 2013 version of that paper was very flawed. So, when you suggest. When you suggested that we may have lost up to 20 IQ points, what would you put that at now? No, it wasn't 20 at the time, it was 14. Now I'd say it was more like 10. 10, okay, 10. One of the big problems, and we were actually quite rightly taken to task for this by 2 very, very capable reaction time researchers who knew a lot more about reaction times than I did, Yulia and Yuri Dodonov, a Russian husband and wife team. And they wrote a very, very long response to our paper, which was very instructive. And they pointed out all of these problems with comparing between these different studies. And what we did is we took all of their suggestions and all of their corrections for method variants and things and tried to make the studies more comparable. So we're comparing apples with apples instead of apples with oranges. And we actually found it made the trend stronger. It's quite interesting, actually. If you look at the original graph, it looks like a shotgun has gone off. You have Galton's study down here, and you have this like smattering of other studies all around here with this huge variance and huge amount of heterogeneity. When we finished correcting the studies and sort of close matching them for, you know, on a biocultural basis, what we found was that you ended up with this regression line where everything hugged the regression line really nicely. And yes, the estimated IQ loss inferred on that basis decreased, but it decreased to by only a couple of IQ points. So it dropped to around, let's say, 10 IQ points a day, 10 IQ points a century, rather than, I think it was 14 or something before. It was quite high originally. It was nearly a standard deviation. It was too high. Right, okay. So 10 points. I mean, even so, that's the difference between a standard architect and a top scientist. It's still quite a bit. That's right. I mean, I've been playing with these numbers. So I've got better and better and better and more precise estimates. And I've ended up with one which I published in 2015, which was just comparing the British studies. So Galton
There was a huge study conducted in the Science Museum by Allison and I forget the name of the other researcher. It was a very big replication of Galton's study. It replicated virtually everything about Galton's study, the location, the sort of demographics that it was sampling from, even the presence of a participation fee that people had to pay, because back in the 80s, you might remember this, one had to actually pay a small fee to enter the Science Museum in London. It's now free. So that simulated the fee that Galton was collecting from his participants. Yeah. So it's a perfect sort of matching of the sample of Galton's sample, yeah, studies in total. And yeah, that showed 1 point a decade decline. So this and is that was just for the UK. La discrimination des couleurs. C'est aussi un proxy solide de l'intelligence générale. Sa corrélation avec G est de 0,92 dans certaines conditions. Or, là aussi, un net déclin est retrouvé à travers les générations. Well, for a long time, people didn't realize that this actually correlated with IQ. It correlates with IQ quite well. So well, in fact, that it turns out that if you make a latent variable out of different sensory discrimination modalities, so say pitch discrimination, color discrimination, you know, weight discrimination, so the ability to sort of pick up two weights and work out which one is heavier, that sort of thing, you know, these physical quantity tests, and you make a general factor out of these, it turns out that general factor is identical to the general factor that you extract from psychometric tests. It's the same G. And in some studies, the correlation between these two G factors, the sort of general factor of sensory discrimination ability and the general factor of intelligence, is perfect. You've got a measure of G that is as good as the G's you get from pencil and paper tests, but suffers from none of the drawbacks of those G's, like the Flynn effect. Because we know there's no Flynn effect on color discrimination, it's a Woodley effect. L'on retrouve également un déclin dans l'utilisation du vocabulaire complexe. Cela a été mesuré de plusieurs manières. Premièrement, par un déclin des performances sur un test particulièrement irritable, le WordSum, et deuxièmement, par une analyse conduite à l'aide de l'outil de Google, Ngram Viewer, qui est une archive massive de textes qui remonte au XVe siècle. La fréquence de l'utilisation des mots répertoriés par le WordSum suit le motif attendu. Elle augmente jusqu'au milieu du XIXe siècle, puis décroît. Le déclin touche aussi l'intelligence spatiale, précisément notre capacité à opérer la rotation d'objets en 3D dans l'espace. Là encore, il s'agit d'un très bon proxy de l'intelligence générale. La mémoire de travail n'est pas en reste. It's a funny story actually. I published a reanalysis of a study in intelligence which claimed that there were no secular trends on short-term memory and working memory, measured using the digit span forwards for short-term memory and digit span backwards tests for working memory rather. And what I did is I broke the data into two, did a weighted regression and found, well, sure enough, there's a Flynn effect on the short-term memory. It's going up. So that's our ability to measure more bits of information and remember more bits of information. If you think about it, this makes sense because people have to remember passwords and they have to remember things like telephone numbers, etc. So, you know, our capacity, our short-term memory capacity should be increasing. Working memory, decreasing. So you get this perfect in the same sample, among the same individuals, the short-term memory is increasing, and in the same individuals, the working memory is decreasing. So yeah, you have Flynn and Woodley. It's like splitting the phenomenological atom. The specialized ability goes up, the G goes down. En se fondant sur ces données-là, le déclin est estimé à 1,21 points de G par décennie. En 2017, Augustin Kong, de l'Université d'Islande, a publié une étude importante. Kong et son équipe ont identifié de nombreux variants génétiques de l'intelligence générale. Ce jeu de variants forme un score polygénique. L'étude passe au peigne fin la fertilité de plus de 100 000 Islandais et trouve une chose intéressante. Les individus qui ont le score polygénique le plus élevé sont ceux qui font le moins d'enfants et ceux qui les font le plus tard. Deux autres études, au moins, ont trouvé la même chose. Celle de Beauchamp aux États-Unis et celle d'Abdelawi au Royaume-Uni. Les données d'Abdelawi montrent un déclin de G qui irait jusqu'à 1,25 points par décennie. Mais Kong va plus loin. Il constate, sur une cohorte de 130 000 Islandais, nés entre 1910 et 1990, un déclin du score polygénique au sein de la population. Autrement dit, il a constaté au niveau moléculaire la raréfaction des variants génétiques de l'intelligence. Kong estime que cette baisse est significative sur une échelle de temps évolutionnaire.
En effet, en partant du principe que l'héritabilité de l'intelligence générale est de 0,86, les données de Kong permettent d'estimer une baisse de 0,87 points de G par décennie. Chose frappante, Heiner Rindermann retrouve exactement ces 0,87 points de déclin, cette fois-ci non pas avec des données moléculaires, mais simplement en calculant une estimation qui se fonde sur le nombre d'enfants que font les gens en fonction de leur intelligence, ainsi que le moment où ils les font. Rindermann estime une perte de l'équivalent de 17 points de QI en 200 ans. Et peut-être plus important, le déclin est encore plus fort pour les catégories de la population les plus intelligentes. La perte est alors de 28 points de QI. L'immigration rentre aussi en compte dans les prospections quant à l'avenir cognitif des nations. En Occident, à l'exception de l'Australie, l'immigration participe à la baisse du QI. L'Australie est en effet le seul pays occidental à pratiquer une immigration sélective. La question est alors de savoir la nature des différences de QI entre les nations. Sont-elles résorbables par l'effet Flynn, ou bien concernent-elles l'intelligence générale? Autrement dit, sont-elles génétiques? Je vous demande juste une chose, c'est de commenter sans insulte, sans haine, ça sert à rien, et on en reparle après. La carte du QI. Cette carte nous dit quand même quelque chose, qui est que tous les pays du monde ne sont pas égaux et qu'effectivement, il y a des pays où la population a atteint un niveau de développement intellectuel un peu plus élevé que les autres. Qu'est-ce qui est inné ou acquis dans ce patrimoine, dans ces tests de QI? Ce qu'on peut dire, c'est que les différences d'environnement connues entre ces différents pays, entre ces différentes populations, elles sont massives. Donc par exemple, il suffit de regarder la carte des taux de scolarisation, qui se superpose très bien à la carte des QI. Finalement, entre ces trois facteurs, éducation, nutrition et exposition aux maladies, on a là des facteurs explicatifs massifs des différences de niveau intellectuel entre les pays. Et donc après, la question c'est, est-ce qu'il reste quelque chose à expliquer finalement? Est-ce qu'on arrive à tout expliquer, toutes les différences d'intelligence avec ces facteurs environnementaux ou pas? Est-ce qu'il reste des petites différences qui pourraient être potentiellement expliquées par des différences génétiques? Franck Ramu, particulièrement écouté en France sur ces questions, a l'honnêteté de dire qu'il ne sait pas. Mais sa réponse est particulièrement timorée et sous-entend surtout que la part génétique est très peu probable. Cependant, il existe un faisceau d'indices particulièrement substantiel qui permet de penser qu'une part importante des différences intellectuelles entre les nations est d'origine génétique. Mais avant tout, il est à noter, contrairement aux idées reçues, que les chercheurs en intelligence sont nombreux, voire majoritaires, à penser que les différences raciales en intelligence ont une dimension génétique. C'est en effet ce que montre ce sondage de Rindermann qui réplique celui de Snyderman et Rossmann. Ensuite, il est systématiquement montré depuis les années 1970, grâce au travail d'Arthur Jensen, que les différences raciales en intelligence portent largement sur l'intelligence générale, et non pas sur l'intelligence dite spécialisée, qui n'est pas génétique. Autrement dit, les différences raciales portent sur les parties des tests psychométriques les plus héritables, et non pas sur celles qui sont le plus influencées par les variations de l'environnement. Une méta-analyse a récemment confirmé cet état de fait. Les États-Unis sont un bon laboratoire de l'étude des différences raciales. Notons là-bas que l'écart cognitif perdure, même après avoir contrôlé le statut économique et social. Que l'héritabilité de l'intelligence n'est pas plus basse chez les Noirs. Que l'écart entre les Noirs et les Blancs ne se réduit pas, malgré les sommes astronomiques versées dans les programmes d'éducation. Notons aussi l'existence de plusieurs études de brassage génétique qui montrent que la part d'ancestralité européenne chez les Noirs américains est positivement associée au quotient intellectuel. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, la fréquence des variants génétiques de l'intelligence au sein des populations du monde corrèle très bien avec leurs résultats sur les tests psychométriques. De toute façon, comme nous l'avons vu précédemment, si la révolution industrielle a été capable de faire évoluer l'intelligence des Occidentaux de manière si substantielle en si peu de temps, comment peut-on s'attendre à ce que les races et les populations du monde ne diffèrent pas du tout cognitivement? L'hypothèse n'est pas tenable. Dans un article publié en 2017, Michael Woodley et son équipe ont essayé de déterminer les causes de l'inversement de l'effet Flynn, l'anti-effet Flynn, dans certains pays européens. À leur surprise, le modèle prédit qu'une grande part de la baisse du QI est d'origine environnementale. Il s'agit d'un déclin de capacités cognitives spécialisées, qui ne sont pas liées à l'intelligence générale. Cela indique probablement que l'environnement, par exemple scolaire, se dégrade.
Il constate dans le même temps que l'immigration est un prédicteur important de l'anti-effet Flynn. Et chose intéressante, plus il y a une interaction forte entre G et l'immigration, et plus celle-ci prédit le déclin du QI. Les auteurs écrivent « Le déclin de G, causé par l'immigration, pourrait exacerber le déclin des capacités cognitives spécialisées par un effet du G sur les facteurs qui soutiennent et promeuvent les capacités spécialisées, par exemple par la baisse de la qualité de l'enseignement ou l'émergence de contre-cultures anti-intellectuelles. Ce qui est peut-être en lien avec les observations de Putnam selon lesquelles l'augmentation de la diversité réduit la confiance sociale et augmente les dysfonctionnements de la société. » Autrement dit, en Occident, la baisse du QI est trop forte pour que seul le déclin séculaire de l'intelligence générale des natifs puisse l'expliquer. L'immigration et les conséquences néfastes qu'elle provoque sur la société doivent entrer dans l'équation pour expliquer l'anti-effet Flynn. Cette dernière hypothèse va dans le sens des observations de Giorgio Brunello, spécialiste des migrations et de l'éducation, et d'autres chercheurs qui notent qu'en Europe, l'immigration a un effet négatif sur les performances scolaires des natifs et des immigrés. Il est intéressant de voir que cela va dans le même sens qu'une étude réalisée auprès de la population norvégienne. Elle trouve un déclin du QI au sein même des fratries, et conclut logiquement qu'il ne peut pas s'agir d'un effet de la fertilité dysgénique. On peut y lire ceci. Nos résultats restent concordants avec un nombre d'hypothèses sur la baisse du QI. Changement dans la qualité de l'éducation, changement dans l'exposition aux médias, dégradation de la nutrition ou de la santé, et conséquences sociales de l'augmentation de l'immigration. Alors, dernière question, comment le vent fait-il avancer les bateaux à voile ? J'ai fait l'impasse, moi non plus je sais rien. Qu'est-ce que j'ai entendu là ? On sait pas. Alors, la semaine prochaine, pendant une demi-heure, vous viendrez me faire un exposé sur les grands bateaux à voile, compris ? Ta mère ! Ouais, c'est ça. Sa mère ! Et ouais, c'est ça, leur mère ! Une autre cause possible du déclin de l'intelligence que nous n'avons pas encore évoquée est l'accumulation des mutations délétères. Quand les organismes se reproduisent, ils répliquent leur ADN, mais cette réplication n'est jamais parfaite. Il arrive à certains variants génétiques de muter. Quand ces mutations sont délétères, et réduisent donc la valeur sélective d'un individu, la sélection naturelle fait son affaire. L'individu ne se reproduit pas, et le variant délétère disparaît donc. En ce qui concerne Homo sapiens, les généticiens supposent que la mortalité dans les sociétés pré-industrielles n'était pas totalement aléatoire. 30% des enfants mouraient en bas âge, et jusqu'à 50% des enfants mouraient avant 15 ans. Désormais, les progrès radicaux de l'hygiène et de la médecine permettent d'atteindre une mortalité infantile largement inférieure à 1% dans la plupart des pays occidentaux. Or, l'on peut supposer qu'une certaine partie de ces enfants et de ces nouveau-nés n'auraient autrefois pas survécu à cause de déficiences immunitaires causées par des mutations délétères. Cette spécificité humaine a fait s'interroger les plus grands généticiens sur l'avenir de l'humanité. En moyenne, il est estimé que cette accumulation de mutations délétères diminue notre valeur sélective, ou fitness, de 1% par génération. Lynch écrit que cet effet est potentiellement mesurable à l'échelle de quelques générations dans les sociétés occidentales. Et parce que le cerveau est particulièrement sujet aux mutations, il convient vraiment de s'inquiéter. Précisons que la plupart des gènes sont pléiotropiques, c'est-à-dire qu'ils déterminent plusieurs aspects du phénotype à la fois. Et précisons que 84% du génome touche de près ou de loin le développement ou la maintenance du cerveau. Ces mutations délétères peuvent s'observer au niveau du phénotype, notamment en calculant l'asymétrie fluctuante d'un individu, c'est-à-dire la déviation de la symétrie bilatérale qu'une stabilité développementale parfaite est censée produire. Autrement dit, l'asymétrie du corps et du visage observée chez un individu est possiblement révélatrice d'une valeur sélective diminuée. Une corrélation négative de 0,16 entre l'asymétrie fluctuante et le QI a été trouvée dans une méta-analyse de 2010. Et une autre analyse a montré que cette corrélation concernait de manière très robuste l'intelligence générale. On peut donc raisonnablement supposer que si les mutations délétères affectent le développement de l'intelligence, une accumulation de ces mutations au fil des générations pourrait participer à la baisse de l'intelligence.
Pour estimer la part des mutations dans la baisse de l'intelligence, l'on peut se fonder sur les changements de l'asymétrie fluctuante au cours des générations. Une étude a été réalisée en 2006 auprès des crânes des Américains nés entre 1820 et 1989. Dans la mesure où l'environnement, par le biais de maladies ou la malnutrition, peut affecter l'asymétrie, les auteurs s'attendaient à trouver un net déclin de l'asymétrie fluctuante, puisque les conditions de vie se sont drastiquement améliorées tout au long de la période étudiée. Or, c'est l'inverse qui a été trouvé. Le degré d'asymétrie fluctuante s'est dégradé. Ces données en main, Michael Woodley et son équipe ont tenté d'estimer la perte de l'intelligence due aux mutations délétères. Elle serait de 0,16 points de QI par décennie. Que penser des perturbateurs endocriniens? Qu'il s'agisse de l'asymétrie fluctuante ou de la baisse du QI, les toxines et autres polluants que nous rencontrons dans notre quotidien sont des candidats séduisants. Barbara Demene, biologiste au CNRS, est, comme nous l'avons vu, le plus ardent défenseur de cette thèse. En 2018, Michael Woodley et son équipe ont testé son hypothèse. Ils ont conduit plusieurs analyses statistiques avec trois variables. La première est un facteur chronométrique qui comprend des indicateurs convergents de la baisse de l'intelligence générale. Temps de réaction simple, mémoire de travail, fréquence d'utilisation du vocabulaire complexe et taux de macro-innovation par habitant. La deuxième est un facteur chronométrique des neurotoxines telles que listées par Barbara Demene, à savoir l'exposition au plomb, au mercure, aux dioxines, aux furanes et la consommation d'alcool. La troisième est un facteur chronométrique composé de la moyenne des deux scores polygéniques de l'intelligence générale issus des populations américaines et islandaises. L'étude montre que seuls les scores polygéniques sont significativement corrélés au déclin de l'intelligence générale tel qu'établi par la première variable. Différentes méthodes ont été utilisées pour déterminer si, au-delà de la corrélation, il y avait une causalité, notamment en recherchant, grâce à un modèle linéaire mixte et hiérarchique, la corrélation au sein de 5 périodes découpées le long du XXe siècle. Là encore, l'association entre les scores polygéniques et le déclin de l'intelligence générale est significative. Michael Woodley et son équipe estiment que l'industrialisation de la société a fait perdre à l'Occident l'équivalent de 10 points de QI, des points d'intelligence générale, pour ainsi dire. Dans Accomplissement humain, Charles Murray montre que le pic de génie par habitant dans le monde anglo-américain a été atteint en 1825 et ne cesse depuis de décroître. Même si en nombre absolu, le pic d'innovation a été atteint dans les années 60, le taux de macro-innovation, lui, suit exactement le même schéma que celui des génies. Il diminue depuis la moitié du 19e siècle. Heiner Rindermann, dans Capitalisme cognitif, montre à quel point les facteurs cognitifs sous-tendent tous les aspects de la société. La corrélation entre le QI et la performance au travail est importante, notamment pour les métiers les plus complexes. De manière générale, l'intelligence détermine la conduite de la vie. La résolution des problèmes du quotidien, étudiée avec des situations réalistes, est corrélée avec le QI. Les accidents de la route, notamment aux intersections, sont négativement corrélés avec le QI. Mesurée à 11 ans, l'intelligence prédit une espérance de vie plus importante, sans doute parce que des meilleurs choix de vie sont faits. Il existe aussi une corrélation entre l'intelligence et le jugement moral. Les individus les plus intelligents sont plus susceptibles d'être démocrates, libéraux, et de défendre la liberté économique. La criminalité est négativement corrélée à l'intelligence, au niveau individuel et au niveau du groupe. Le cas de la sûreté aérienne est éloquent. Les pilotes font partie de la fraction de la population la plus intelligente. Ils sont notamment sélectionnés sur ce critère. Il n'y a rien d'étonnant, Skinner Rinderman constate que l'intelligence moyenne d'un pays est très positivement corrélée à son degré de sécurité aérienne, et surtout que le niveau cognitif de la fraction la plus intelligente du pays le soit encore plus. La baisse de l'intelligence est donc grave. C'est un sujet sérieux qui devrait préoccuper un plus grand nombre de scientifiques et d'hommes politiques. En France, Franck Ramu, qui fait autorité sur les questions cognitives, balaye la question d'un revers de la main. Il n'y a guère que Laurent Alexandre et Laurent Berton qui ont évoqué le problème. Les hommes politiques sont globalement muets sur la question, à l'exception notable de Lee Kuan Yew, l'ancien Premier ministre de Singapour, qui en avait fait un combat de premier ordre, en mettant en place une immigration très sélective et en invitant par diverses manières les femmes diplômées à faire des enfants. Once you have women educated and doing jobs, the fertility rate goes to one because the cost is too high.
How old are you now? I'm 27 this year. You are? 27. Are you married? No. You are doing a PhD? You are doing a PhD? That's right. Yes. Well, when will you finish your PhD? In another 2 years. So you'll be 29. Have you got a boyfriend? No. Well. Il y a aussi Thilo Sarrazin, ancien membre du directoire de la Banque fédérale d'Allemagne, qui a été expulsé en juillet 2020 du SPD. Il avait publié en 2010 « L'Allemagne disparaît », un ouvrage dans lequel il avertissait des dangers du déshumanisme et de l'immigration. And in perhaps the most unbelievable, incredible, difficult to swallow example of progress of all, we have been getting smarter. This is true. Dans Le Triomphe des Lumières, Steven Pinker en fait des tonnes sur l'effet Flynn, sans jamais évoquer son déclin. Et surtout sans jamais évoquer la co-occurrence de l'effet Flynn avec le déclin séculaire de l'intelligence générale, l'effet Woodley. Il pense naïvement que nous sommes devenus plus intelligents. Le débat public est saturé, soit par un optimisme béat, soit par des considérations alarmistes sur les perturbateurs endocriniens ou les écrans, qui n'ont assurément pas la gravité qu'on leur prête. En tout cas relativement au déshumanisme et à l'immigration. Une autre forme d'optimisme consiste à prétendre que l'ingénierie génétique résoudra la question de la baisse de l'intelligence. Mais cela pourrait avoir les effets contraires à ceux escomptés, c'est-à-dire accélérer le déclin de la civilisation. I'm something of a pessimist. Because I believe that the rise and fall of civilizations is largely contingent upon ecological factors and patterns of extrinsic morbidity and mortality and things like that. There is very little we can do, I think, to avert the collapse of Western civilization. I think there's very, very little that can actually be done. And some people say, I know the more sort of optimistic people say things like, well, you've got this idea of gene editing and you can select for genes in embryos and things like that, and you can make people smarter this way. And look, we're finding the genes, and surely there's something we can do. There's all these bioethicists now jumping on this bandwagon. You know, we've got to, like Savulescu at Oxford University saying we've got to make smarter, more moral babies. Let me ask you this. If individuals really are becoming more sort of self-interested and less groupish and more atomized, and there's more, you know, there's more social alienation among individuals and less communication between people, more sort of talking at each other rather than trying to find common ground, that sort of thing. And if there are all these sort of pathological forms of altruism in place, which are causing costs to be deferred onto other elements of society, what do you think is going to result from allowing those people freedom of reproductive choice in terms of being able to produce designer babies? Do you think they're going to produce designer babies which are just going to make the problem worse? Or do you think they're going to produce designer babies which are going to offset the problem and sort of restore the components of, you know, of civilization that we had, given that those things are no longer valued under the current regime of individual level selection?